Oh, c'est une... Ah oui, en effet, oui, c'est vraiment Limbo. Oh, c'est une forêt. Ah, ça y est, on est parti. Ça y est, on est parti. La forêt, la forêt est belle. La forêt, tu as vu, oh, il y a oh, des c'est bancs. Joli. Il y a des bancs faits avec des faux troncs d'arbres. J'aimerais bien un jeu que dans une DA comme ça. Ça pourrait être stylé. Je pense que ça existe. Je pense déjà, que ça existe. Mais, pas en bien, pas un jeu bien dans une DA comme ça. Oui, voilà, voilà. Je. Ah, il y a un jeu qui. Il y a une espèce de Castle Crashers qui est sur, sur une scène de théâtre. Je sais plus comment il s'appelle. Battle Blockade. C'est pas du tout un Castle Crasher, mais. Quelqu'un a vu la marionnette de. Ah, un Castle Crasher dans le type de jeu. Ah. Après, oui, Battle Block Theater est dans une pièce de théâtre aussi, exactement. J'avais totalement oublié. Full Plays, je crois. Elle était juste comme ça. Mais oui, il y a Battle Block Theater aussi. C'est pas. C'est, ouais. Il nous faut un jeu comme ça. Il nous faut un jeu. Avec des trucs comme ça en 3D. Oh, j'ai eu un chapeau. T'as eu un chapeau? Ah oui, il y a un chapeau là. En plus, c'est genre le chapeau parfait. Ah, on va revivre l'histoire. Il était une fois. Oh, c'est rigolo. Une princesse qui vivait dans un château avec son père. Un château. Le roi l'aimait beaucoup parce que les papas aiment leurs filles. Hélas, il y avait un ogre dans le royaume qui. Ah, tu peux pas utiliser ton dash, non? Parce que les ogres sont comme ça. C'est du latin, en fait. Le roi fit donc ce que font tous les rois. Mais qu'a fait le roi? Il promit la main de son. Il fait ce que font tous les rois. À celui qui tuerait l'ogre. Parce que le père aimait sa fille. Il la traita comme une marchandise. Et t'as vu ce costume? Alors, seul un chevalier répondit à l'appel. Il s'appelait Fred. Fred le chevalier. Salut Fred, il est à fond Fred. Il est au taquet. Et il s'en alla le matin suivant, en tenant un chant valeureux aussi fort qu'il le pouvait. Au revoir Fred. Merde. Bonne chance. Après plusieurs jours, la princesse se demanda ce qui avait bien pu arriver à son futur. Ah, je me demande ce qui a pu arriver à mon futur époux. Ah bah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Fred? Ah, je vais pouvoir aller dans la forêt à sa recherche. Ah bah de belle. Les empreintes de Fred au plus profond de la forêt sauvage. Allons sauver Fred. Bravant les bruits terrifiants, les dangers cachés. Merde, j'arrête pas d'appuyer sur RT sans faire exprès. Comme des lames de rasoir. Il t'affiche la touche pour que tu loupes. Oh, je suis mort, c'est Limbo. Un peu comme toi. C'est trop bien quand tu meurs et il fait une réplique exprès. Meurs, tu vas voir, c'est rigolo. Ah, attends, je vais mourir. J'ai vu des pics avant, je me dis que ça peut te tuer. Oui, c'est comme ça que je suis. Malheureusement, elles nous passent clouées sans palas sur les bancs. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je trouve ça cool. C'est stylé, juste la première partie de la scène est trop longue, mais sinon c'est cool. Je crois que c'est le moment où il parle pendant 10 ans. Oui, tu peux appuyer sur Y. Ah si ouais. Si tu te désintéresses totalement de la vie de Fred. C'est vrai? Oui. J'avais pas fait gaffe. J'avais pas spécialement envie. Mais du coup, ça va ressembler un peu sur Y. Hop. Alors le moulin... Le moulin, je veux dire. Le moulin, on l'a vu, hein, on a déjà joué à des jeux vidéo. Il n'y avait pas de lumière cachée. Don Quichotte, hein, tout ça. Elle sauta sur la tête des crocodiles. C'est ça. C'était une forêt magique dans laquelle les plantes semblaient communiquer entre elles. Elle dut utiliser des champignons magiques pour grimper... Oh, les crocodiles affamés. C'est le roi lion. C'est ça. Bah, elle a sauté sur les crocodiles. Ah, je me suis noyé. Elle sauta sur des champignons magiques. Oh, ok, d'accord. Je vois, on en est là. Ah, bah, mince. Avant, il m'a éjecté le champignon. Donc, je suis pas là. Boing. 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 C'est rigolo. Mais bon sang.
Ah! Je me suis loupé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été sorti du truc. Ils ont des trucs un peu piquettes, hein, quand même. Ah oui, dès que tu sors, tu peux pas... Enfin, tu peux pas utiliser le fait de sortir ou de revenir. Genre, il faut réussir en restant innombre. Oui. Ah! Ah, j'ai encore loupé. Ils sont chauds, les champignons, là. Ouais. Je suis pas sûr de comprendre, en fait. Ah! Il faut pas mettre la branche du haut, c'est quoi le truc? Bah si, t'es obligé. Ah, alors c'est ça que je peux faire. Ok, alors. Oh non, je suis tombé! Non! Pas les bambous! C'est quoi la technique? Parce que moi je. J'ai réussi à monter sur le tronc, mais j'ai pas réussi à aller après. D'accord. Mais moi j'arrive pas à monter sur le tronc. Je suis monté sur la branche quand elle se relevait. Ah ok, ce que j'ai essayé de faire, mais à chaque fois ça me sort. Ça. Et quand si je fais ça plus tard. Ok. Je vais essayer de te faire. Ok, c'est bon, je vais. Je vois pourquoi ça me paraît sale en fait de le faire comme ça. Genre j'ai l'impression que c'est pas normal. Peut-être parce que c'est un peu sale pour toi les histoires de princesse et de Fred. Ben, c'est vrai que Fred. Ouais. Avec Fred, il a pas toujours été très propre. Merde, j'ai chier. Oula! Wow. C'est mon tour, tu vas devoir m'attendre pendant 10 ans. Y a un ogre. La balle. Il y a un combat de boss. J'ai hâte. Hop. Ah, il m'a tué. C'est bon. Oh, il est pas beau l'ogre. Ah non. Il y a Fred qui est pendu à un arbre. Alors fais attention, si tu touches la massue de l'ogre, ça va, mais si tu touches l'ogre, t'es mort. Ah bon? Je sais pas, j'ai l'impression. Dès que je touche sa jambe, je meurs. Ah non, je meurs pas là. Je sais pas, il y a des moments où je meurs et d'autres non. Bah ouais, moi je suis mort, j'ai touché sa jambe. Attends, qu'est-ce que tu touches la jambe des ogres, j'ai envie de dire. Oh, là il a l'air fatigué, là il a l'air fatigué. Mais il m'a tué. Ah ok, j'ai compris. Je vais faire taper sur le tronc. Comme ça il se bloque dedans. Ouais, et ça j'avais aussi, je suis allé de l'autre côté, mais il m'a tué quand je suis allé de l'autre côté. Il faut pas aller de l'autre côté, je pense. Ah, boum. Allez, il a frappé le... Oh, l'arbre. Je crois que Fred est mort. Putain, je suis mort aussi parce que je me suis pris l'arbre. Putain, t'as pas joué à Limbo quoi. Ah si, mais justement, c'est pas Limbo. Il aimait vraiment la princesse. Ah, ça va, Fred, tu t'en es sorti. Heureusement, le roi l'informa qu'il pouvait tuer une araignée. C'est la princesse qui a essayé de tuer Fred en même temps que l'ogre. C'est raté. Ah, et du coup, il va tuer une araignée. Ah, j'ai hâte. C'est en train qu'on va aller tuer l'araignée. Il est où, Fred? Il est reparti à l'aventure. Ah mais rien ne l'arrête, hein. Il est chaud. Ah, Fred. Ah bah chouette. Ah, vous cherchez l'araignée? Il est trop bien, Fred. Pour Fred. Ah, des piques. Elle nous passe son clou et son palace sur les bambous. Attends, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Peu après, elle arriva près d'une vaste fosse remplie de pieux. C'est un peu long quand même, hein. Je sais pas comment passer. Mais elle pouvait entendre des gémissements au loin. Elle pensa que ça devait être Fred. Alors, que crois-tu qu'elle fit? Oh, je sais. Quoi? Elle a utilisé un parapluie. What? Comme la nounou. Ah, je suis... Bon. Au Moyen-Âge, chérie, qu'elle trouve un parapluie. Des bambous? Je ne sais pas, mais c'est ça qu'elle a utilisé. Ils sont pas là sur les bambous. Oui, c'est une caverne de bambous. Que j'ai un parapluie. Alors tu dois en trouver un, parce qu'elle a utilisé un parapluie. Mais où est-ce que je vais trouver un parapluie? Merci. Très bien, cherchons un parapluie. Oui, c'est totalement logique, tu auras cette résolution de l'aventure plus tard. Ah, en voilà un.
Alors la princesse s'élança courageusement dans les airs, ralentissant sa chute avec un parapluie. Ah oui, d'accord. Comme la nounou dans le film. Elle descendit dans la cave. Oh non. Ok, faut pas que le parapluie touche les trucs. Très bien. Attends, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Où est-ce que je trouve un parapluie, en effet? Ah, il faut rechauffer le parapluie dès que tu meurs, par contre. Oh, c'est magique. Ah oui, c'est Mary Poppins. Alors, en douceur. En douceur. Ah oui, ok. Ah bah, je suis mort. Oublie pas de reprendre le parapluie. Oh non! Malheureusement, elle nous passe son coup et sans palace sur les bancs. Attends, mon parapluie va finir par disparaître. S'il touche une surface, le parapluie, il meurt. Ah. Voilà. Ah oui. Il est au courant. Ah non, il meurt pas, il perd des points de vie. Non mais c'est ça, il les regagne à force. What? Ouais, il se détruit un peu, mais après il en regagne. Alors je crois que c'est juste quand tu tournes ça. Ah oui. Est-ce que tu peux augmenter les stats du parapluie? Tu peux lui faire apprendre les skills. C'est ça. Oh non, une toile d'araignée. Dans une toile d'araignée. Ah. Heureusement, c'est ah bah heureusement. Toile, et elle à son c'est le deuxième. Deuxième ville travail étoile. La toile était plein la seule de travail étoile. Qui retenait un gros rocher. Comment ça, un gros rocher? Ah, la princesse devait trouver un endroit pour se. C'est vraiment Limbo là, en fait. C'est Indiana Jones. Indiana Jones, c'est le Fred perdu. Oh, c'est une. Ah oui, en effet, oui, c'est vraiment Limbo. J'aime pas les araignées. C'est Limbo Steampunk. Oui, Steampunk, parce qu'on dirait qu'il y a des rouages. Ah, c'est pas là que je voulais aller. C'est pas là. Bah, j'ai pas. Mais merde. Je me suis raté sur l'atelier de fin. Ah non, je me suis loupé sur l'atelier de fin. Aussi. Non, j'ai réussi à péter une toile. Ah mais du coup la toile qui est pétée elle reste pétée. Parfait. Tiens, l'araignée, tiens. Il est où Fred? J'espère qu'il était en dessous. Avec tous les rochers qui s'ajoutent, c'est en mode. Tiens Fred, cette fois il en échappera pas. Pauvre araignée. Je sais faire quoi ici? Elle trouva. Oh Fred, salut. Il était emballé dans une sorte de. Ah, il est toujours taquin. Ah, bah oui, les toiles ont retenu les rochers. Bam, araignée. Il doit encore le secourir. Il aimait vraiment la princesse. La princesse se dit merde. Était mignon. Heureusement, le roi l'a. Je crois que Fred, c'est un peu la mise en abîme de l'histoire de Johnny. Il n'est pas très doué, mais il aime beaucoup la princesse. Un chant valeureux. Ah bah oui Fred, vas-y, retourne à l'aventure. Te ça, gêne pas. Jamais quoi. C'est le jeu dans le jeu. Après quelques jours, la princesse se demanda. Pourquoi est-ce que son père était tout 20 heures de durée de vie. Oui. Ils ont mis Limbo. Ils l'ont mis direct comme ça, bam. Ah bah vas-y Fred, je vais te retrouver, t'inquiète, j'ai l'habitude. Mais le dragon c'est le dernier. Tu penses? Bah c'est un dragon. Je pense qu'à la fin on affronte le roi. Ah, ou Fred. En vrai Fred il veut détruire la terre avec Genova. La montagne du dragon merde. Était glaciale. Et le vent lui hurlait. Ah oh, bah ça original, d'habitude elle part pas à sa recherche. J'ai avancé en mode, j'ai couru, genre normal. Et il y a juste un rocher qui est arrivé en mode bonjour. Je suis mort, genre j'ai couru dans le rocher. Ah oui. Tu vois, il est même pas spécialement rapide. Tu cours vers lui en mode de... Qu'est-ce qui peut bien se passer? Bah, c'est parce que le perso est beaucoup trop à droite de la caméra. C'est un peu dur. Oula. Quand elle avait froid, elle pensait aux muffins. Ah, je suis mort. Geyser. J'espère que Fred aime aussi les muffins. Ah bah oui. C'est un geyser qui tue ou c'est un geyser gentil? C'est un geyser gentil. C'est un geyser quand genre il arrive et fait. Ah. Ok, c'est un geyser que j'aurais clairement dû utiliser. Parce que moi dans la montagne, pour moi un geyser c'est méchant quoi. Mais
Faut pas partir sur des a priori comme ça. Ouais, bien sûr, mais c'est vrai. Allez, Geyser, allez, Geyser, sauve-moi la vie. Ouais. Brave Geyser. Oh, j'ai trouvé le dragon. Oh là, il m'a tué. Ah, Fred. Oh, un dragon. Bonjour, dragon. Alors, elle se moqua du dragon. Mais il... mais il a cramé Fred. Il sort vite son flamme. C'est genre, il y a... Ah shit, je suis mort. Mais genre Fred, il se fait cramer la gueule, quoi. Ouais, mais c'est pas trop grave. Ah, c'est apparemment. Fred. C'est Fred, il résiste au feu. Mais comment est-ce que tu le... matraques? Mais en fait, quand il attaque, ça brûle une des cordes. Oh putain. Oh, ok. Je suis mort en troisième. Allez Fred. On va te sortir de là. Oh là, mais... Ça fait deux fois. Hop là. Finalement, les cordes. Voilà Fred. C'est alors que la princesse. Il va repartir ça. Fred n'avait plus besoin de partir à la. Genre il se casse en mode j'en ai marre, tu m'envoies tout le temps dans des aventures. Il y a une autre version de l'histoire où la princesse s'envole sur le dos du dragon pour vivre d'incroyables aventures. Mais ce sera pour nous. Alors s'il mange des muffins à chaque fois, je pense qu'il y a une autre version de l'histoire où ils finissent gros. C'est ça. Ah, mais c'était mignon. Oui. Mais j'aime bien le fait qu'il y ait la version alternative. Elle s'envola à d'autres dragons, a vécu plein d'aventures, laissant Fred dans la merde. Attaché à trois cordes dans une caverne, il mourut de faim. I met you on a chilly Saturday. You're a house on fire, I'm burning so.